nous céder votre place, pas de problème, à Tristan De Witt, qui est le président de Rivalen. Alors, c'est 4 PME spécialisées dans l'éclairage. Et là aussi, pareil, vous collaborez avec Tristan ? Depuis 7 ans. Et Tristan est un ancien de chez BPI France qui a basculé dans l'entrepreneuriat et repris le contraire, une entreprise. Le contraire de moi. Voilà, exactement. Donc, vous saviez vous parler entre business. Tristan, on vous attend pour parler de vous. Vous étiez donc ex-responsable de fonds et savoir-faire excellence et parrain de l'accélérateur savoir-faire d'exception de BPI France. C'est génial. On passe de l'autre côté ? Ben oui, effectivement. Et c'est pas compliqué de passer de l'autre côté. Il faut se jeter à l'eau. Et de devenir entrepreneur quand on a passé un peu de temps chez BPI France, c'est, moi, je trouvais presque naturel. J'espère que c'est le cas d'autres. Enfin, je ne veux pas non plus faire une hémorragie sortante. Mais effectivement, c'est passionnant de voir les deux mondes et de l'autre côté l'entrepreneur. J'aime beaucoup. Vous me parlez de Rivalen ? Et Rivalen, c'est la holding que j'ai créée au départ en rachetant la première entreprise industrielle. On fabrique des luminaires d'extérieur avec la première société qui s'appelle Roger Pradier. Et Rivalen, après, a consolidé d'autres acteurs de l'éclairage que des industriels locaux. Et aujourd'hui, il y a 5 usines et on est capable de fabriquer tout le matériel d'éclairage qui est nécessaire pour l'immeuble entier. Donc j'ai repris des petits spécialistes et donc maintenant, on est devenu un moyen multispécialiste. D'accord. La collaboration avec BPI, du coup, j'imagine. Eh ben, c'est depuis le premier jour. Et puis, comme j'avais un peu travaillé ça avant, je connaissais un petit peu la maison. Mais c'est vrai que je trouvais intéressant et important de garder un lien. Et puis, du coup, maintenant, je vis la partie du soutien de BPI pour l'entrepreneur. Donc, il y a autant les accélérateurs dans lesquels je participe beaucoup, entre ceux auxquels j'ai contribué à créer et puis ceux que j'ai fait moi-même. Et puis, tous les managers qui rejoignent le groupe à des postes mandataires ou direction générale, ils essayent de rentrer dans un accélérateur. Parce qu'on y apprend énormément de choses encore de la vie de la boîte. Donc je trouve que c'est un énorme soutien pour mon groupe en tous les cas. Et puis personnellement, en tant que dirigeant, les accélérateurs, c'est une grande, grande aide. Dernière question, c'est ça aussi le progrès ? C'est l'accompagnement Et totalement, j'aime bien cette question que tu poses. Parce que c'est l'accompagnement, c'est justement pour aller au-delà avec les entrepreneurs. Moi, j'aime beaucoup, j'ai un exemple avec Tristan, c'est il a suivi les modules d'éco-conception et ça lui a permis, grâce à ces modules, de réindustrialiser une partie de son processus qui était externalisé avant. Ça, c'est une très, très belle histoire industrielle. Eh ben, c'est vrai qu'on a le groupe, comme on est industriel local, c'est ce qui m'intéressait, il faut qu'on fasse une fabrication extrêmement bien pensée, éco-conçue. Et les diagnostics qu'on a fait avec BPI, autant l'éco-conception, on a formé 50 personnes à l'intérieur du groupe à l'éco-conception et aux achats responsables. Ça nous a fait repenser le business model un peu industriel dans l'économie de moyens la plus aboutie, les sélections de matières. Et en allant rechercher aussi des gains de productivité dans les usines, en essayant de sous-traiter entre les différentes usines du groupe pour maximiser la matière qu'on utilise sur une plaque de tôle, par exemple, quand on fabrique un composant sur une plaque, on fabrique les autres composants, d'autres luminaires, peut-être d'autres marques sur la même plaque, ce qui fait qu'il n'y a aucune perte, ce qui serait impossible à faire avec un sous-traitant. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Mais... Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas. Un exemple parmi d'autres, on en aura beaucoup plus à raconter par la suite. Merci, Tristan De Witt, donc président de Rivalen. Et merci donc à vous, Mathieu, allez, pour tous ces accompagnements.